Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette ambiance complètement nouvelle pour moi. J'explore des nouvelles voies pour cette chaîne. Alors vous allez vous dire, ça ressemble vraiment à ce que font certains grands youtubeurs. Ben oui, ils le font pas par hasard, hein. C'est parce que un petit micro devant le nez, ça ajoute une ambiance très chaleureuse, très enveloppante. Ces micros, ils prennent juste la voix de celui qui parle et ça permet en plus de faire des vidéos dans une maison hyper bruyante, ce qui est le cas ici, parce qu'il y a souvent du bazar dans la baraque, c'est impressionnant. Donc là, moi, je suis tranquille, vous m'entendez bien. Puis voilà, l'envie de changer, quoi. Vous assistez un petit peu à l'évolution de cette chaîne, je ne sais pas jusqu'où on ira, mais en tout cas, c'est une super aventure. Mais aujourd'hui, donc, pour ce petit test, vous me direz si ça vous plaît ou pas, j'avais envie juste de vous parler de deux petites choses. De l'eau citronnée, évidemment, qui va vous permettre, en cette période de fête, en cette période de Noël, de dissoudre toutes les choses grasses et lourdes que vous allez manger lors du prochain réveillon de Noël. Donc, un petit peu d'eau citronnée vous permettra d'envoyer directement à l'égout, excusez-moi pour les termes, mais tout ce qui est foie gras, dinde et autres bûches. Hein. Donc voilà, c'était mon petit conseil de Noël, évidemment, que vous connaissez forcément, ou pas, hein, je sais pas. Mais j'avais envie de vous parler d'une deuxième cartouche pour passer un réveillon de Noël extraordinaire. Il s'agit d'une playlist, la playlist parfaite de Noël que j'ai concoctée spécialement pour vous. En fait, je l'ai fait pour moi, mais ça fait 3-4 ans que je la peaufine et je l'ai encore améliorée cette année. Et j'avais envie de la partager avec vous. Cette playlist, elle est sur Deezer. Je vais vous montrer juste un petit aperçu très rapide. C'est en fait un rassemblement de tout un tas de morceaux, une quarantaine, je crois, de morceaux des grands classiques de Noël. Parce que moi, j'adore Noël, les musiques à grelots, les crooners américains. Moi, le soir de Noël, il faut qu'il y ait une ambiance totale. Donc là, voilà ma playlist. Il y a une quarantaine de morceaux. Bon, évidemment, je peux pas vous les faire écouter parce que vous savez toujours, c'est toujours ce problème de droit d'auteur. Je vous la conseille, si vous aimez les musiques de Noël, elle est parfaite. Je vous mets le lien évidemment dans la description, comme ça vous pourrez la rejoindre et vous la passer le soir du réveillon. Je vous assure, ça va participer à cette ambiance unique de Noël qu'il faut surtout pas louper. Voilà les amis, bah, écoutez, c'était mon petit test, c'était l'occasion de tester tout ça. Je sais pas si ça vous plaît. Merde, je m'éloigne, vous n'allez pas m'entendre. Je ne ferai pas à chaque fois des vidéos sous cette formule, mais pourquoi pas de temps en temps. C'est comment dire, une corde de plus à mon arc. Et j'avoue que YouTube, c'est passionnant parce qu'on explore plein de nouvelles voies. Je ne sais pas jusqu'où tout ça va me mener, mais en tout cas, c'est super intéressant. Les amis, je vous souhaite de très bonnes fêtes, un très bon Noël. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Mangez pas trop de foie gras. Et puis, ouvrez bien vos cadeaux, surtout parce que le Père Noël est en train de faire chauffer ses rênes. A très bientôt les amis. Ciao.